Aujourd'hui, je viens de recevoir l'image que j'ai faite imprimer par un service qui s'appelle ImageKind, imagekind.com. C'est une image que j'ai prise au Pérou en 2006, à Machu Picchu. La qualité de l'impression est excellente. Le cadre est en aluminium, très léger, mais relativement solide. C'est la qualité d'impression, le papier, le maximum qu'on puisse obtenir via leur service. La taille n'est pas la maximale, mais elle est quand même très grande, elle fait 16 pouces par 23 pouces. La deuxième image que j'ai faite imprimer, c'est ce qu'ils appellent un museum wrap. Donc c'est aussi une image de, en l'occurrence, au Pérou, à Cusco, à l'hôtel où on était. Et donc c'est une impression sur Canva mat, et la qualité est excellente. Le cadre est aussi d'une très grande qualité. On peut voir ici, là, tout en bois, l'épaisseur du bois, absolument incroyable. Le coût de l'impression et de l'encadrage est de, pour cette image, de 65 $, ce qui, à mon avis, est tout à fait raisonnable vu la qualité du travail fourni. Voilà. Ce qui est vraiment très bien avec le mat, l'impression mat sur Canva, c'est que l'angle de vue peut être extrême. On voit quand même très très bien l'image. Alors je suis pratiquement parallèle. Donc, quel que soit l'angle de prise de vue, on voit très bien l'image. Par contre, sur l'autre image encadrée ici, le verre est un plastique acrylique anti-UV, mais il n'est pas anti-glaire. Pas anti-réflexion, donc sur une image qui a relativement faible contraste, on a du mal à voir, on est facilement distrait par la réflexion derrière, et l'angle de vue est très faible en réalité, donc je pense que je préfère le mat en l'occurrence. Voilà.